On dit canal, on va créer parce qu'on a fait plusieurs canaux. KBK, exactement pour des raisons d'eau. Ok, merci, c'est tout le plaisir. À vous, commandant. Bon, nous voyons un bel travail. Le fait qu'il y ait un système d'irrigation qui est extrêmement long en âge. Un système d'irrigation à ciel ouvert, donc qui va permettre en pile d'opportunités pour le pays. Si nous voyons par exemple, nous déploiement maïs, Zéa maïs, ou bien maïs, petit maïs, comme un kit principal, pour le pays qui était café dans 2 mois et demi, nous avons qu'à manger, ça t'a pris une opportunité pour tout le pays. Donc dans ce sens, ça, et matin, nous finissons dans l'objectif de une visite exploratoire avec le professeur Cédric Deravin dans le cadre d'un coup qui est système agraire. Donc, nous-mêmes avec étudiants UPNCHO qui est niveau 3e année, la 3e année agronomie, donc nous avons laissé avec le président Pierre Saïka Djael pour plus d'explications de visite exploratoire. Bonjour tout le monde. En tant que présidente et puis en tant qu'étudiante, ça me dit c'est que canal ça représente un signe d'espoir. Pourquoi ça me dit un signe d'espoir? C'est que d'habitude, lorsque nous avons agronomie, nous avons fait pour l'AIA. Ça veut dire que ça son façon pour montrer que nous-mêmes nous gagnons pile l'opportunité qui venir et que depuis nous voulons, nous avons fait ça, nous voulons, depuis nous mettons ensemble, nous avons fait ça, nous voulons. Et ça, c'est un premier pas. Nous espérons que nous avons l'autre derrière, nous-mêmes étudiants en faculté d'agronomie, nous là, nous travaillons, nous sommes une nouvelle génération. Je suis monsieur Remedia, nous sommes une génération pour changer tout le monde. La nouvelle construction que nous avons faite en tant qu'étudiants en agronomie, qui ça nous fait? Nous savons que nous avons espoir quand même. Gain espoir quand même, mais ah oui, c'est vrai qu'il était écrit dans le livre que Haïti son terre essentiellement agricole, mais depuis quelque temps nous t'avons que c'est l'autre monde qui a besoin de manger, c'est toujours comme ça. Mais nous disons que pour l'agriculture, gain espoir quand même, un jour pour nous retourner en plus de jeunes couvertures végétales nous t'avons, mais bail tête nous manger pour nous dire nous indépendants parce que depuis que nous qui bail tête nous manger, gain pile l'autre décision nous capons après. Comment agronomie a aidé nous? Sorti parce que nous avons tout ça besoin et pour manger, c'est la République dominicaine. Comment agronomie peut aider nous sorti dans ça? Oui, pour faire suite à ça, président de la vie. Hein? Bon, agronomie yo même pas de capacité pour retirer Haïti dans sa là. Parce que l'agriculture, c'est un bagage qui regarde toute une nation. Ça fait à travers un plan. Vous devez gagner un gouvernement qui dit, mais qui sa priorité liée. Priorité, c'est l'agriculture. Pour nous arriver autosuffisants dans 10 ans, dans 20 ans. Pour nous aller prendre toutes les mesures nécessaires pour nous accoucher. Ça, c'est toujours un rêve, une vision. Et on peut nous aller. Parce que, je regarde dans ce qui est FAO dit. Il y a un pays qui voulait dire l'agriculture, c'est priorité. Vous devez gagner 10%. Dans le budget national là, qui est réservé à l'agriculture. Ça qui va faire en Haïti. Ça veut dire le jour où nous avons un gouvernement vraiment qui fixe ses priorités, comme c'est l'agriculture, pour nous sortir côté là, il y a une bonne méthode pour le mettre, une bonne stratégie et volonté pour résoudre le problème. Ça veut dire c'est toujours une charge de battre tout à coup dans le côté, c'est agronome ou pas de ferme ou pas de jardin. Ça, agriculture, c'est entrepreneuriat. Même gens, moi-même, comme ingénieur agronome, je gagne une ferme, n'importe l'autre monde gagne une ferme tout. Ou qu'on administrer, ou qu'on travaille là-dedans. Ça veut dire, c'est pas agronome, c'est pas des agronomes, agriculture là, retenant, c'est sous dolier, non? Non. Le agronome, ou gagne capacité, ou gagne technique, ou gagne connaissance, pour mettre en pratique. Mais l'agriculture, c'est un bagage sociétal. Nous connaissons tout le monde qui fait dans le pays. Quel est le partenariat public-privé?
arrivés. Ça veut dire l'État, nous ne pouvons jamais mettre l'État à côté. N'importe bagaille. Parce que la planification, elle doit être faite par l'État. C'est l'État qui peut planifier la société. Cependant, le secteur privé, ça en Haïti, bon, il y a des réserves de volonté secteur privé pour genre de bagaille. Ok. L'État est toujours là-dedans. Ixto facto, l'État de monde qui toujours dirige nous. Nous ne pouvons pas faire politique là, non? Mais bagay sa yo important pour nous jouer un résultat n'a pas cherché. C'est pas un grand citoyen qui a fait la vie, je dis, ah bon, vous avez fait ça, non. Nous votons dans l'élection. L'État même va le diriger, non? Nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour mener nous à bout. Nous ne pouvons pas venir là, on va avoir des sapes qui ont fait circulation. Est-ce que c'est sur le des sapes? Parce que nous vivons un moment, nous devons comme si quitter comme si. Jean l'État ça y a nous pas qu'à compter sur comme si nous même comme étudiants et en agronomie et qui ça nous pense nous qu'à faire est-ce qu'on pas qu'à virer bagage parce que si nous prenons l'État là nous mêler oui donc dans sécurité il y a ce qu'on appelle opération foqué ou opérationnel c'est l'État qui va laisser aller les balles de laisser aller ils ont déjà la police pas supposé responsabiliser par l'ambassade américaine. Déjà, la police là, il n'y a pas de deux qui a ouais avec la politique, il y a deux qui libre avec pour être capable de diriger. Mais ça, mais ça pas d'abri dans la circulation vraiment, mais c'est l'environnement de la vie. Mais comme pays a l'île ingouvernable, donc ça permet que les sapes dans la circulation, mais il y a une police routière, il y a une police circulation. Donc de ce fait, tu as parlé de l'île, ça crée la sécurité foncière. Ça, c'est dans le domaine pas nous. Et puis d'autant plus tout, nous avons parlé de système agraire qui concerne les activités agronomiques. Donc, de ce fait, nous-mêmes comme agronomes, nous avons à responsabilité quelques paramètres agronomiques, mais nous pas là précisément pour nous régulariser les choses. Parce que si pas l'État, si l'État absent, nous avons fait une grande exploitation, mais avec une grande exploitation agricole que nous avons gagné, mais ça ne veut pas dire que nous avons mangé. Parce qu'il faut qu'on ait un bon mot de traçabilité. Si nous faisons et Oriza Sativa, qui c'est Diri, si nous faisons Zéa Maïs, ou bien Manio, est-ce qu'on a dit c'est manioc, ou bien Vigna Sinensis, qui c'est pois chinois, si nous faisons 10 hectares, qu'on s'allie en blague de tout bagage, côté Mbalvanio. C'est ça que les traçabilités a. Et qui compte pour le passé? Politique agricole, la bien en barème. Il y a un sénateur qui a vendu. La bien en barème. Moi-même, tout, je fais comme exemple. Je m'en blave de 10 espaces, de 10 hectares de terre en manioc, bien en bananeraie. Il y a un bourgeois qui est là, il dit que ça va me camper ça. Si je ne pas camper, ça crée même dans l'iconine. Exemple encore, les petits bicos là au cap. Il a pris un petit bicos. Quand elle a pris un petit bicos là, on a eu un bourgeois qui a fait votre pression. Battre-le, pour le café. L'autre business est sauvé, mais c'est obligé de sauver. Business en tant pis. Ça veut dire, nous-mêmes, nous avons une volonté pour doter le pays de l'agriculture, parce que l'agriculture, c'est notre terre. Ok, Agonom. Oui. Dominique, vous avez fait un travail. Il m'a regardé dans le dernier moment, il m'a mis plusieurs pompes sous rivière, par en haut, pour qu'il ait diminué la vitesse de l'eau. Et vous même en tant qu'agronome, comment vous pouvez faire tout ça? Okay. Ouais là ça c'est on parle de système d'irrigation. On parle de ça il y a la balle rivière à un période de tirage, ça veut dire on parle de période de tirage là ça veut dire l'eau va tari. L'eau tari n'a pas besoin de l'eau pour d'avoir joindre. Début de l'eau, il pas égal avec vitesse de l'eau. Et ben qui ça nous ca fait comme étant de une loi internationale qui existe pour les rivières entre deux pays, n'a cherche un moyen nous faire un cadre légal pour nous capable écrire. Et puis nous même tout pendant nous là tout pour nous capable pour de l'eau ça nous gagne pour capable de servir nous moi nous commence à faire des mesures ingénieurs donc nous fait barrage justement pour de l'eau pour aller par contre route pour monde qui en bas dans plein mari bar au tiboulé et comme des bédou et la rivière Rani on dit la Ponico la Tasse et comment on veut l'envoi la tri. Donc dans ce sens donc nous mêmes nous optons pour nous chercher l'autre façon que le système d'irrigation est capable d'avancer conformément. Est-ce que vous avez un mot pour chaque monde qui contribue à notre travail, ça, qui seulement met dans le canal là? Donc, qui est-ce que pour chaque monde qui contribue dans le canal là? Je vous dis force, je vous encourage.
pour qui ça m'a donné encouragement et puis m'a remercié yo en raison d'être parce que c'est ça qui fait fierté nous, c'est ça qui fait dignité nous, c'est ça qui fait espoir nous. Parce que en d'autres termes, si pas de bon défi canal là pas ta fait. Et puis là on dit mais en plus chaille pas lou nous même haïtiens nous remet défi yo t'a de bon défi encore pour des canal construit toujours. Et le, de ce fait, je pensais que Haïti a eu espoir avec Thierry dans 120 jours. Ou bien 3 mois, 20 jours. Ou bien Maï dans 2 mois et demi. Manioc dans 6 mois. Ou bien Manioc amer, qui a cité Amin de Gladen, qui a un peu d'importance. Donc nous avons fait Casavavel avant tout partout. Et puis ça a fait 2 mois. Qui a pu nous capoter par les paysans au balance? Bon, a pu nous capoter par les paysans, c'est appui technique. Accompagner yo, sensibiliser yo, montrer comment bio planter même j'en a fait avec tout étudiant ça yo. Nous gen bel jardin, nous gen jardin manuel esculanda qui c'est manioc. Nous pa gen côté pour nous vendre yo, côté traçabilité yo. Al vendre yo cap, bon quand même m'pa wè qui ça nous ka faire avec yo en termes de productivité. Nous gon fois nous va le faire là, donc m'pa wè qui cop n'a pas le faire avec. Ok, donc, et un dernier mot pour nous finir avec tout agronome qui habite aux alentours de Wanamet, okay. Et qui toujours prend son job pour nous capables de jouer pour nous. Bon. En fait, ça me voulait dire, c'est que l'agronomie est une science qui est vaste. Ça, c'est pour répondre directement. Quand il y a 10 agronomes même côté, il n'y a pas fait le même travail. Donc, c'est pas trop responsabiliser agronome qui dit moi-même son job pour jeune, son ONG pour jeune, il y a un économiste, il y a un bon agronome qui n'est pas destiné à travailler sous terre. Donc, mes mots d'encouragement, c'est que pour occuper les gens qui disent que c'est un pas utile, parce que c'est pas vrai. C'est vrai que le pays a un travail de découragement, mais. Quoi nous rêvons nous et premier ça pour nous faire c'est développer mindset en nous pour nous travailler avec propre main nous. Les commencer on a travaillé, on a venu jouer nous. Les cons on a café, ça a fait un plus grand, plus belle, plus bien. On est nous pour monter canal là. Agronome, tu connais en Haïti on toujours parlé de l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Peut-être qu'il y a un agronome qui n'a ressources, qu'il y a un agronome tout qui n'a fait tout. Mais alors que ça qui n'a ressource là, c'est pas non ressource la travail, c'est non futur la travail. Et pour ça, il faut pas respecter la tâche. En raison d'être des questions que vous posez, donc question à licencier, mais comme agronome, il y a 6 poches là-dedans. C'est même genre de monde qui fait génie rural, tant qu'on pouffe les canal là. Ingénieur Claude pas fait génie rural, il fait génie civil, mais c'est un ingénieur. En hydrologie ou bien un ingénieur qui fait génie rural qui est supposé faire canal là. Si moi-même fais ressources naturelles, ça ne va pas dire que je suis supposé limiter. Parce que je fais première année à la troisième année, je fais tout le bagage. Avec, je m'appelais pour le ministre dans le pays, je m'appelais pour le directeur général et je m'appelais pour le directeur bac, mais ça ne va pas dire que je suis limité. Si je m'en gonne, ça ne va pas dire que je ne suis pas planté. Vous comprenez? Si je suis phytotechnicien, ou bien faire végétation pour ça pas veut dire m'pas planter m'pas faire un espace qui une végétation naturelle. Okay. Merci un peu. Rappelez-nous nom université. C'est université publique du Nord au Cap Haïtien, IPLCA, c'est mon qui t'a parlé à c'est ingénieur agronome Régis Fetel. Oui et puis faculté à c'est faculté des sciences agronomiques et environnementales. OK, je pense